Question où tu me posais, Anna, il faut pas réagir brutalement comme ça. Biso dans un amas qui n'a pas beaucoup. Président qui est à Dubaï, parce que c'est la richesse du pays. Et nous avons beaucoup à perdre. Toi-même, Makama qui n'a pas beaucoup, à Bandaka Bitumbate. Il y a le pape qui vient. Imaginez qu'on Bitumbe Bandi Sukoyo. Ce qu'on arrivait à pape aux Andengeni, Reporté, situation bien qui se sûr. fait en bout aux Andengeni. Il ne fallait pas le pilote à Baluka, à Beta. Parce que avion à Beta qui wana, et c'est là qui raison pour laquelle FABC a gagné Bitumbao. Il y a deux villages, deux villes à gagner d'un côté Yaruchu. Ah, babongi ça encore. Et ça encore la Rwanda, ça encore la Mwana muki azo bunana mukolo, azo beta mukolo, makofi na makolo, mais mukola ibi ka wa za mwana azo sala na kolo, wala ika boya a mimi ya chemu panzi. Et puis il y a nazana fake news. L'Agence internationale atomique a leurs yeux sur la RDC. Ils parlaient très, c'est dans le conditionnel, pour les années fake news. La RDC envisage d'acheter une bombe atomique à un pays de l'Asie du Sud-Est. C'est un fake news que je propose là-bas. C'est aussi une manière de nous battre. This is a fake news. Nous avons neuf voisins aux alentours de nous. Cette arme-là va permettre que tous ces pays-là nous respectent. This is a fake news. Merci. Merci. Moi, je ne pense pas que l'arme va nous faire respecter. C'est l'organisation interne de l'armée. Si l'armée congolaise est organisée à l'interne, déjà, on a l'immigration qui travaille normalement. Et ça veut dire l'immigration, je pense qu'ils sont respectés. On n'a pas besoin d'avoir une bombe sale ou une bombe atomique pour être respecté. Moi, je ne pense pas. C'est l'organisation dans le pays. Il y a des pays, comme la Zambie, par exemple. Soit au Vika Congo, au traversé de la Zambie. Bazambien, bazana na na ba roadblock, ba checkpoint dans là. Chaque fois barrière va tenir, mais quand immigration ça va pas. C'est un pays qui est organisé, ils ne veulent pas les gens sans documents d'entrer dans leur pays. Allô, bonjour. Ils ne veulent pas que le sans documents. Allô? Allô, bonjour, pour vous plaît. Bonjour. On a pas de question, on a vraiment. Ils ont ma bien été. Ils ont relancé. Ils ont ma bien été. On veut les relancer, ça ne sort pas bien, il y a d'autres sorties entrecoupées. Je pense bien, les amis, ce n'est pas une importance de nous d'avoir une bombe atomique qui va faire que. Les organisations internes à pays, si vous êtes bien organisé, vous savez que chez vous, il y a un suivi, les gens ne vont pas traverser n'importe comment. Allô, maintenant. Allô, papa Blaise. Oui. Bon, là, il faut vraiment. Banda lobby, il y a la position, mais en groupe, il y a la position, 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 il faut faire décision pour te faire conduire pour que vous vous balancez sur la zone à Béti. Voilà. Mais, question en là, ils agissent, même plus ma mère. Ils sont toujours à faire un offre si ils m'ont embarqué contre Rwanda. Mais, M23, n'a qu'à dire, ça ne sert à rien. Mais, toujours, ça ne sert à rien. Comment est-ce que M23 a battu, pas contre la ratine de ma fille? Pas au bout de la vie. Entre-temps, la guerre se bombarde, la c'est, bah, pousse, bah, j'ai place. Mais comment est-ce que nous avons l'eau à l'écolo, pas au filtre, car pas au lait, car au côté de la vie. Déjà, il paraît que non, Ouganda, Rwanda, pas au renforcé, n'a qu'à Tchanga. Donc, guerre, ils ont dit Tchanga, on dit M23 a déjà récupéré sur Tchanga. Donc, mon gars, ils ont la complication, moi, on a quatre bâtons à l'écolo, tu es besoin à l'écolo, mais comment ça fait, bon, pas au bête à l'écolo. Puis il y a Souka, ils agissent pour n'avoir le président à Rokinde, n'avoir Dubaï, n'avoir contrat banni. Mais il y a toute une question. Partout, il y a ça, il y a un détournement, il y a un bon mobile. Il y a un kiss, il y a un bon mot. Cette fois-ci, il y a un peu de sérieux, il y a un contrat. Et là, il y a un Congolais, on a respecté le contrat. Le président de ça, il est fort. Mais ce que partout, il y a un petit peu de sérieux, et là, il y a une bonne solution. Pour eux, il y a un bon débat, il y a un bon débat, il y a un bon débat, 50 millions détournés, 100 millions détournés, là il va rater. Donc, tant que la classe, il y a escroquerie, il y a détournement, attendez, et ce n'est rien.
Merci de comprendre la question na yo na plateforme na biso to répondre le temps que à tout le monde m'a demandé comme sousou. Allô, tu es dans WhatsApp? Allô, bonjour. Allô, bonsoir papa Blaise. Bonsoir papa Serge Notriche. Ah papa Serge, bonjour. Bonjour papa Blaise. Oui, dans le bas pour la pilote. Vous savez que biso na Congo, tous ces locaux na Amérique et puis dans le pays mosus que ce qui basa li attaque moko oko kosong sango pemba la mugesi bozali. Et pas na biso na commandement congolaise na force armée congolaise, il faut maintenant que non donc comme nani général ou bien commandant d'opération a pèse autorisation à s'animer à lancer missile. Il pourrait jamais lancer missile sans qu'on soit permission d'un commandement. Voilà, je pense que l'acte qu'il avait fait a celle en bien pour au moins tu attends mutazo même attends pour ta balle bien sur mutazo attaquer yo il y a beta yo mais n'a pas mon accueil à bandaki parce que ceux qui ont zongi si et aux assos sous faute na yo. Je pense que l'acte a celle en gros a celle en bien. En tout cas, il faut pas décorer à quitter si nani pour battre mon amène à me commettre dans ce moment là que non le courant maintenant t'as mon bise de la réplique maintenant et cause en gros sans problème. Mais je crois que jamais qu'on lance sous missile la place on a zonga parce que bah qu'on même qu'on condamne biso ça vraiment même il est pas condamné là t'as ça qui est qui bien pas ça qui est dans l'atterrissage naïe à cause jamais qu'on lance sous missile parce que pas la personne va congolais la armée congolaise dans un loi en été l'Amérique est ça normal sauf que l'Amérique n'est ça qui on a amélé le autour le macabre sous sous au bien en Ukraine au bien en Russie et les gens sont pas d'accord. Voilà un peu ça pour Blaise. Merci de comprendre n'entrera pas Serge dans l'Autriche pour notre propre classissement, hein? C'est ça, non? Pour que c'est smart, par rapport à Ningazo Kene. Comment passer à l'objet, Ningazo, vous avez une question. Moi, je pense que les Abongo, les Kambo, il y a engagement. Il y a un engagement. Et puis, le programme, il y a bateau, il y a Dubaï, il y a un programme, il y a normal. Donc, il y a les Kambo, pas de 20. Kala, oui, il y a Chinois, Chinois, il y a un environnement, il y a une formalité. Si c'est informel, bon, moi, je suis beaucoup péré dans son gouvernement. Ça, c'est fait par mon gouvernement. Ça, c'est le gouvernement congolais qui est engagé directement ici, dans le cadre de la coopération. Tu as une déco à Bengbiso, la France. Allô, bonjour. Bonjour. Dans la vie de Bana, on a une question tenue. Oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est que l'avion a été détruit dans l'aéroport. Vous comprenez? C'est que l'aéroport, ils ont contrôlé. Nicolo, le rapport est là, Nicolo, est là, Nicolo. Mais, si on va le bien à l'aéroport, ils ont assez fasté. C'est tout autour, là. Ah, oui, oui, oui. Mais tiens, on va s'attirer à l'aéroport. Oui. Normalement, le radar, le bilan, il faut que l'on ait un avion. Voilà. Avion sur l'eau qui t'a fait un avion pour la défense. Ba beti yango avion ta mokote mate nini te bufandi na bino te yen lese ale. Il y a un lese ale. Eza normal te na mboka na bino na aéroport ba beti avion masasi e bufandi bo na ba logique bozo ya non et puis pe pilote to na to loba donc il gagne avec extrême. Soko zui masasi vous avez raison que l'avion est là qui est comme un contrôlable et on a lâché. Et comme un contrôlable, il y a pas de bêtise au massage au couffre. Vous avez fait donc une logique aux autres, c'est la babille au bol au bas. Et ça, il y a un peu de bêtise à l'ouan. Naïven, ah, c'est comme un physique. Voilà, c'est comme un physique. N'a aucun angoisse au couffre, ton couffre est à 2 millions. Il y a kamikaze tout dans le monde. Voilà, kamikaze, oui. Non, l'acte là, ça prouve que l'aéroport n'est pas contrôlé. Au moins, l'aéroport n'est pas contrôlé, tous les avions ne sont pas contrôlés. Mais là, c'est quoi le photo? Voilà ce que je peux dire. Il faut trouver un moyen, tout l'aéroport Moussika, parce que, imaginez un peu, Rouba, vous. C'est ça le problème, Rouba, vous êtes à Rwanda. Dans l'Ovier, même Bissot, on a la fin de la France. Hein. Ok. La fin de la France, tout ça, là, la racine, seulement dans notre hôtel. Aujourd'hui, on a ici, tout ça, l'hôtel, moi, et puis le mal. Sauf au fond, on a fait l'hôtel, on a fait la piste. On a fait l'hôtel, tout. Babylon, vous voyez, qui est de musique, non. Et ça, on a un aéroport comme un lien commercial. D'où, il faut toujours surveiller ces amateurs. Il y a un radar, on a été débarrassé. Il y a un radar, on a été débarrassé. Et ça problème, il y a été au beau déplacé au beau banc à Rwanda. Non, il y a problème, il y a surveillance. Bah, Betty avion, on a massacré.
l'aéroport, soit le bien aéroport, ils avaient la piste, c'était tout autour là. Beaucoup rajoutent encore des kilomètres. Là, ils ont fait un avion, ils ont fait un tour de contrôle. Et puis, ça a une dimension. Moi, aussi, c'est des kilomètres et des kilomètres pour préparer un avion pour équiper. Pour moi, je vais dire, moi, je vais faire la vie, la logique, la logique, la logique. Quand même, je vais dire, je vais dire, parce qu'il y a un problème, il y a laisser aller. C'est vraiment. Non, 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 non. Donc, on tolère un côté. Et ça l'a raté. Ah, tu vois, il faut vraiment. Non, l'air que tu es là en France. Lobby d'avion et comment un aéroport ou un effondre. Dès qu'il n'y a pas un, ça ne va pas aller. Au moins, il va vieux matin. Dans les États-Unis, il y a un monde en mode. L'aéroport, il y a son militaire, comment Pembe n'y a pas. Hein? Comment Pembe n'y a pas un aéroport civil. Donc, moins de faux pas, il va vieux matin. Oh, et bien, on va bêter avion, zoyezo, bundana, n'a pas sinon. Avion, t'as mon côté, et Mati, l'icolo, qui nous contrôlait, Luka, l'icambamon, n'est-ce pas. Ah, mais non, il y a un lézal. Maramango, tu as un aussi, tu as un mot, 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 tu as un mais là, il commence à perfectionner. Mais le gars, comment on monte en haut, comment il est bâti. Et ça, c'est souvent monné à calatité. Il y a les salés, la sécurité, la vie. Il y a les salés, c'est pas normal. Diamant le monné, bah comme il consomme bâti, na na. Banjili, bah fait des bah au canet, la bavion, bah zozo, bah zamba. Mais le gars, en France, au consalon, impossible. Et ça, c'est que pour bazar en bon. Non, la science a évolué. Le gars, radar, bah le gars, comment on monte. Et comment on monte. Il suffit bon au cas où il vient de se faire niveau Iban, par exemple, qui toi n'a moins cher chinois, bien mis ça y est. Mais là, on est comment, monsieur? Non, il y a beaucoup de laisser aller. C'est ça, normal, tu sais. Merci beaucoup, papa. En tout cas, pour un événement de conscience. Je vais laisser la minute quand on a dit aux autres, le banac, quand des autres matadons qui. Petit à petit, félicitations. Petit à petit, on a 100 fois, on les a donné. Il faut redécorer. Oui, il faut redécorer. Il faut redécorer, petit petit à petit. Si, si. Il faut décorer. Ils ont mérité hors de. Imaginons un peu. Au dos de la peau, Milo Gwane à la essence, essence et moto comme un 100 francs de Tchokita. Toi, la soldat attendait, toi, la moi, quand de la vision qui saute, et ça va moyen commis, ma pétanque, ça va faire à bien. Bon, la tigre. Merci à répondre à l'intervention de la Moutouya. Il y a un mot qui est au soir, honorable Jean Moutala, tout qui nous a un de mon abisso, n'a pas tiré à RDC, n'a téléphone, si ma tocote, c'est honorable Jean Moutala, tout côté une antenne abisso, tout ça là. Pour partager notre libre antenne, nous parlons de l'affaire de l'avion. Oui, l'avion a vu ça, Oyo Batouba, ça a débat, mais il y a un groupe. Il fallait piloter, renverser, Azonga, Beta, tout ça. Alors, et coupé en Makambu, on va résonner un peu haute voix, voir ce que vous pensez comment par rapport à l'Ekambo est concerné. L'avion a vu ça, Oyo Sukhoi 25, Oyo Rataki, et puis pilote Nabiso, très courageux. Nenge tomoni aza ko se battre na kati ya moto kuna niveau ya aéroport hein, aéroport ya Goma na avion o eza kozwa moto sima na ye. Alors tokena no mbango ko tsa l'honorable Jean Moutala en tout cas pour na OK Jean OK ya honorable zela na kozwa sima na zo na moto honorable hein? Honorable le bolimisi na zo na rapport na RDC. Allô bonjour. Allô. Allô, bonjour. Appelle le kebab. Ok, c'est bon maintenant. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Blaise. Bonjour Blaise, comment vous allez? Nous sommes bien, papa, et vous? Non, je veux bien. Na ce qui m'a cassé, c'est quoi à Oudi Woloba? Ok. À Oudi Woloba tout de suite. Donc, on a dit la vérité, à Zoloba, la canne à ma cassé.
Oui, allô, Oudoba. Alors, on a un peu de temps. Na a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. En fait, je comprends que Zalana nous a gommaté. Oui. Parce que façon à lobby, j'ai vite compris que Zalana nous a gommaté. Donc, aéroport où on a Goma, n'est place en placement en haut, et si que Zali, hein. Donc les alliés impossible. Ce qui a un dolo n'est pas dans Kinshasa. Éviter ce qui a un image en dolo. Ok. Éviter ce qu'on a yébi n'est pas aérodrome aérodrome en dolo les alliés dans Kinshasa. Donc ils ont impossible. Souvent bah bah avion a dit soit amiqué ou en avant atterrir. Ils aura moins et ça aura moins taxi na Brazzaville. Ok. Aussi pas la Brazzaville et Rosoa, les longs, il y a fleuve. Si tout va bien, oui, t'as ba Bandundu et ba village, disons que ba province a Pemeni Pemeni. Donc avant d'atterrir Nandolo, ils auront toujours fleuve Nabisso et puis Kiti. Alors, Nagoma, c'est aussi pareil. Malheureusement, on a évité par le passé Clash Mogue Salamagina Birere. Donc, Birere, ça, ou Enze Mogue, ça, juste dans les parages. Aéroport. Alors, proximité au aéroport, c'est à quelques mètres, c'est vraiment bon. Tout bien à mettre. Donc, l'avion se doit atterrir, Moutada, dans Ngambouya, il y a Rwanda, Zomo, Nango, Pené, Zoukit. Ok. Donc, pour déplacer Ango, Nenye Yazo Kanisa, ils ont facilité parce que Nagoma, en réalité, le terrain est zaté. Terrain à Okene, au même aéroport, place où c'est zaté. Mais en placement aéroport à Goma, ils ont textuellement dengue ndolo image en ndolo na été sur ça matin avec quitta en ndolo, c'est textuellement dengue en ndolo ils ont. Donc avion ils ont quitta na komata na komate gros matin na kacha mboka na biso. Mais na quitté re ko ça moi taxi et les qui tout au long il y a nini à lacti et qui y atterri. Alors position même avion on a sur quoi on est là. Et là, il y a des gens qui ont été commis presque, et même qui ont été lancés. Donc, manœuvre, il va toujours s'imaginer que les cocati, les baloukaïs, ça, non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc, il y a déjà la position, il y a des gens qui ont été expliqués, le mécanisme est tel qu'ils ne pouvaient rien faire à Kitibo. Dieu merci, comme ils ont un système anti-missile. Et permettant quand même que Akita Lango n'a n'engisa. Bon, ils ont vraiment totalement endommagé, mais ils ont senti que Elouana va remplacer Biloro Moussousso finalement et Komatagak. Ah, donc, ils ont remplacé et tout. Ils ont remplaçable, ils ont réparable. Ils ont réparable. Non, ils ont réparable. Ah, ouais. Ils ont réparable. Ils ont réparable. Ils ont na maboko ba tie ba singa na sepeli parce que ba évaluer kinanu na sepeli ba dega ba évaluer kinanu dega technique na dega nini ezalagite comme ba évaluer kite a roli ko relancer moteur te sur place bon avion avion le ba benda ki ango e koti e keti na tant que vandi en attendant ba ye ba comment on va faire bon ensuite Bisson n'engue toza la position toza nango. On ne pouvait pas loko la batake, loko la bango ba rwande ba salage loko wana to réplique parce que avion on appelle une possibilité. Et ça l'on est gokai go sa. Mais mokili mobimanem de nga condamné RPC. To yemi ce qui se passe. Donc nga on a lobby de condamnation et de condamnation. Alors condamnation on a et gokai même pour ça la que. Ba raison et obiso toza nango pour le moment. Il y a un embargo en zone voilà. En faveur ya ba rwandais parce que évidemment c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Oh, c'est la deuxième fois. Na yebite su boyebi que c'est la deuxième fois. Récemment avant ba soko et Novanda, ba sala qui paye la même pratiquement la même chose. Mais on a et ça vraiment un impact parce que ça a vraiment moi musika. Donc toza la rara na kimia et tout et tout. Et puis, justification, Moussousso, Bazo Pessa, il y a le fait que Balina va abattre l'avion, et ça va être un chèque, il va être. Parce que l'avion, on a 20 ans, il va être un Moussala.
Alors, na kanda ya musala wana, probablement, bazali déjà informé, ça et là, que non, voilà, avion wana, yuti ko sala boye, boye, boye. C'est comme ça, ils ont réagi, ne me ba réagi ça. Bon, tozui, moi, ba information moko ça et là, oui, que bisope en réplique, yelo ko wano et salami wana, je crois que na mikolezo ya, on peut à la rigueur, ko senga ke Rwanda wana, et sur voilà la sous sous espace aérien congolais à éviter je crois que bah Nicolas Roya et l'autre modèle ou un écosala alors ça des salami c'est aussi une façon à repinir bango parce que Rwanda est comme un Brazzaville je ne sais pas ce que il boit dit donc ceux to pestozong ils se disent bango pratiquement ce qu'ils ont fait bah on a une difficulté figurez-vous par exemple que avion 8 à Rwanda et à Brazzaville et Baluka que Zambie, Kangola, invité collègue Nicolas RDC. Vous comprenez ce que ça va faire dans la même trajectoire et comme mon boulot économiquement et comme compliqué. Donc c'est comme ça que et ça que Bango Bango Salo Basali. Mais nous nous devons garder notre calme. Nous devons garder notre calme. Ouais, si quelqu'un m'a rappelé économiquement donc. C'est-à-dire que niveau yo biso to komi ko frappé Rwanda batu baso mona ka guerre mais Rwanda est komi asphyxié à niveau Rwanda maté en plus économie à guerre 6 mois déjà tozi bango na guerre Rwanda a suffisamment lelo yo de moyens ya ko continuer guerre na biso alors que biso tozali ko mat en puissance. Et que bango, ce qu'ils avaient déjà, bah, ça les guerre na biso. Bah, après, déjà, donc, pour la quelque guerre, part, c'est vrai, réaction na biso, bah, congolais, ils ont des alliés, parce que, bon, on en a trop vécu, trop subi, souci à laïque, et ça, que tout, on découdre, balamo, on a bango. Mais toujours est-il que les choses, maintenant, tournent à notre faveur. Donc, tout ça, là, un apaisement, et je crois que calamité, on aura gain de cause. Voilà un peu intervention. Bon, na ngai mingi na ngai kana expliquer ndeko ke façon ya bana ko kanisa wana na se na ngut makasi na lobi me. Aéroport à Goma. Et ça ndenge azo kanisa de. Donc là vraiment ndenge wana. Un avion qui décolle qui atterrit muto na Rwanda, ngamu azo mona ndenge zo mata ndenge zo kita. Bon, les dangers ali que oui, ba ko yuko se poster quelque part. Bazeli avion le qui ale babeti, mais qu'est-ce que vous voulez par ce temps qui court? C'est un peu facile, tu sais. Que Bovani n'a pas la bino, parce que là, l'avion, ils ont l'aventure à Biarimana, à l'ébat pour cet avion. Donc, c'est un peu au moment où ils ont piqué, ils ont raconté. Parce que même les deux présidents, Bakoufa, on a dit que c'est l'autre, banquette et c'est l'autre. Banquette et Vandaka, on ne sait même pas. Est-ce que et où t'as ouat et où t'as en Rwanda et où t'as pu c'est comme ça donc bon bang ina biso ba congolais amingi par rapport à ce qu'on a subi mais petit à petit tozali komata je crois que et le romoré au sala malango zati. Merci beaucoup voilà papa. Voilà ce que je voulais dire par rapport à mon intervention. Merci beaucoup. Toujours on écoute Nazola. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour l'intervention à Mutuya. Nalingi o peut s'appeler moi input pour ndeko. Alors ben avec soit partie à RDC, tu penses à ça bien information belé, alors ben mon masolo ya kati. Alors c'est pourquoi je laisse parler un peu trop longtemps. Tu es ici quoi ya biso à jeune honorable Jean Moutala depuis Londres en Angleterre. Bonjour honorable. Oui, bonjour, bonsoir mon frère Blaise Mukenge. Analyste ya kitoko ya bwanya, nous en ba pambolo pour na musala kitoko zali ko sala sur cette chaîne de confiance. Bonjour, bonsoir, na bande konanga yinyo surtout ba abonné ya Africa TV Network, nous en ba pambolo bino ici ka bozali. Nazali ko remercier mingi. Bande konanga oyo baleki mais surtout oyo outi ko intervenir à partir ya RDC, nous en ba pambolo e penza makasi parce que biloko ya zaleki kolo oya lobby zaleki ba biloko ngai pe na ngai kolo ba tout na ndeko na biso oyo na yoki a lobby ba biloko négligence boye tout ça on critique toujours mais toza na kati ya eloko wana te c'est ça notre problème parce que ba exemple ya zo pesa ke bino kuna na États-Unis ezalaka boye o na France ezalaka boye po ya zana France
en tout cas, na éviter ma comparaison au sousou, et dans ma comparaison, il y a au salaté. Ce ne sont pas donc de meilleures comparaisons, donc de vraies, oh, il y a au salaté, parce que la réalité, il y a Babilo Koyo, peut-être donc, oh, il y a vivre. Na oh, nous sommes vivre de l'autre côté, il y a bien monté parce qu'on fréquentait ma milieu en Haïti. Et surtout, quand nous ne sommes pas du domaine, que nous avons une négligence, le radar est moins cher, mais ce qui prie à radar, il y a un moins cher, et que nous, nous sommes incapables, il y a un radar. Dès qu'on a un outil que nous avons un avion, nous avons un manœuvre, nous avons un manœuvre, nous avons un manœuvre. Nous avons un voyage à Tembo, mais j'étais surpris que nous, avant toi atterrir dans Ndolo, il fallait qu'il nous ait un fleuve. Ok. Ngaï, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et vous avez dit que fleuve, je me suis demandé, mais pourquoi on a dit que qui était quand même côté, mais non, dans l'eau. Donc, vous avez dit que la manœuvre, la fleuve, oui. Le fleuve, dans ces biseaux de colo. Et donc, on déconne à l'eau. Donc, c'est une réalité. Oui, oui, oui. Canada, Awa, City Airport. Aéroport, il y a Londres, City Airport, London City Airport. Et ils allaient à 5 minutes dans Ngaï. Et tant que l'avion, ils ont dit qu'on mate, ils ont dit même dans ton gros, ceux qui ont l'alli des autres, ils ont déjà l'avion, ils ont dit qu'on mate. Donc, ils on voit ça. Vous voyez? Donc, ceux qui ont dit, par exemple, Moussouchou, quand même, pour, dans le bas, il y a un lobby qui non, nous allons voir le Congolais. Bon, lui, c'est notre frère, bien sûr. Ah ouais, mais des fois, des exemples, ou soit banalise, Moussouchou, c'est erroné. Alors, dans le bas, il y a un lobby qui est, il y a de l'autre côté, il y a un lobby et que comment n'est-ce sujet beaucoup boyé parce qu'on fait sa suprématie na Rwanda et Congolais tout ça la banalise na yé na sens wana je me demande si vraiment il est congolais et loco il faut faire sa biso kanda biso nyo surtout d'une manière unanime mais aux yo ka ceux qui va soi disant ba katumbi ba au ceux qui paye au mususi ya kinga kati est-ce que ba lobier loco il ne parle pas ces gens-là ils sont dans les coups. Donc, pour Nabango, il trouve ça normal que non, Rwanda, il nous agresse. Et Bango, Bavani, Nabango, Nye, ce qu'il réclame, ce sont les élections. Donc, pour Nabango, il a pouvoir. On peut la rejoindre. Parce qu'il y a 2023, c'est nous, Fatih Béton, toujours. Pour la rejoindre, il fallait qu'il remercie tout d'abord la pilote Wana. Il y a un système anti-missile. Parce que ceux qui sont là, qui sont avions, ils sont là, qui sont touchés comme tel, surtout dans les réacteurs, et il y a peut-être équitaté. Ceux qui sont allés à l'atterrissage, ce qui fait qu'ils ont vraiment endommagé, tel un niveau qui est non, et tant que l'on a sous-souté. Parce qu'il y a qui ont craché, ceux qui pensent que non, et là qui touchent, ceux qui ne gagnent pas, on va tout le monde là-bas. Mais à salé à l'atterrissage, et si Mbipé, Abimina Yepé donc, Mobimba, sans problème. Donc nous devons vraiment donc féliciter ce monsieur. C'est un bon pilote. Et qu'on remercie Penzambe, on va permettre que non. Batouana donc, bah ça là, et l'autre, bah, ça là. Imaginez que ceux qui avaient un donc et Panzanaki. Et il y a qui dans la victoire. Mais Naka et Rwanda pour le moment, c'est l'échec. Mais le temps viendra. Batin d'avis sauté la brutalité. Il y a ôté, n'est-ce pas, vendu, et bien agressé, et bien bêté, il fallait qu'il fasse des choses bêta. Non, parce qu'il n'y a pas de monde. Peut-être tant que Oyo Bino, pour que nous te frappions Rwanda un jour, on ne va pas parler. Pour qu'en tout cas, que nous, ça y est, on a les choses vendu, on n'a pas répondu. Mon collègue, si tu réponds, peut-être donc, nous avons dit que nous avons dit que nous et puis, réponse, on a peut-être nous allons. Cible Moko Pézo ou Kapéda, il est dans on a peut-être à survivre et lui sous-souter. Peut-être on est capable donc, de le faire, mais tout est bien. Mais ça peut empêcher Oizali et Lanwana et Loulou ou Touzoyanango. Bazo Monango. Ma projet, surtout, il y a Banzela, Babo et tout ça. Mais ça a information sur notre une façon d'habiter donc Yabo. Quand on tombe le budget, il y a l'État qui a commis 16 milliards donc d'ici là. Bayebi, pas au monde inquiété. Oh, les nations sont comme très puissantes. Alors il faut que stopper marche. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Merci honorable Jean Moutala, Tourasco, Nabisso, Nazambi. Papa, numéro Angleterre.
y a France qui a 25, 41, na zone ça y est, mais qui a une contradiction. Donc soit calme, na zone ça y est, on va sur ce que on va par rapport. On a vu qu'on a d'accord avec la bande déco, na zone ça y est. Numéro à France ceux qui a 25, 41, soit patient na zone ça y est. Tout le monde est sur la Zambie, numéro ceux qui a 14, 18. Allô. Allô, les Angais Mbote. Mbote, Mbote déco. Makambo nyonso wana ezoleka ndeko na biso ezopesa biso mawa mingi mpenza. Bato oyo ya Rwanda wana babomi bato na biso mingi mpenza. Mais sikoyo bazokontinue kaka biso toyebi demokrasi ndenge ezalaka ndenge oyo nazoyoka ndeko ya France abandaki koloba wana. Mais bato wana esengeli kaka kokotela bango kosukisa bango bayebaka Kongo aza na bamapinga ya makasi. FRDC et sakanaka te mais pona nini bozozela kaka wo tozela bande kona biso kuna na ese bazo kufa kaka na ba inosa bazo kufa kaka mais to banda kaka kozela mutona Kagame azanza mbe azanza Goliath azanza nani mais esengele kokotela bango kosukisa bango bayebake FRDC eza mapinga moko ya makasi même na Afrique bayebi bango biso tozo regrette minga na Zambie penza ndenge tozo kama kambo wana. Ok, ndeko na biso abenga ki abati ya Zambie na Lusaka azo bazala regret mingi makasi ya koka makambo ndenge za koleka wana oyo ya armée congolaise n'est pas tant pas capable de défendre son peuple pendant que nous avons une armée organisée qui monte en puissance. Ah, au toko sali la pona ko aller de l'avant. Allô, ndeko bingi sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour. Ngai na participé na di na loka di na programme ya jour moi si maman mo wa benga ki. Ya famille na biso ya TN qui sur ba une liste à DGM. Pour la liste à DGM wana o pona nini Kabila donc azo se plaindre on dirait di bato zo protéger Kabila. Non, Kabila aya na Congo. Comme mwana ya Kabila na armée mbala moi comme président donc à voyager car on a pas passeport congolais comme président. Ok. Mais bah quand tu oui na ba au nous sur la liste on est ni ils a pas tout au DGM mais on a pas on a la liste là bas on va tout voyager déjà à partir de la frontière na biso na ba passeport étranger. Ah ok. Donc tu dis bas on a record na eh comme ça dimanche à la frontière congolaise avec passeport italien bas ça qui va se dimanche dans le passeport belge il y a un DGM les derniers à passer la frontière et yebi batouana distinction ok Kabila ouais on figure la liste on a dit parce que nan a voyagé na passeport congolais était parce que ailleurs na nani na rébellion balamoko coup d'état salami a comme président congolais dans balamoko congolais donc comme on est au figure nani na ya DGM t Romain, mais il y a ben déjà qu'on se plaindre. On dit bazo bomba Kabila pour la nini kanambe te bon mais non ils ont dit liste il y a pas frontière n'est pas tout ici pas dimanche na ba frontière n'est pas passeport étranger donc à tout déjà parler bateau sur le bon passeport étranger Romain bon pour la ligambu y a avion sous quoi n'est pas bazo loba oh non il faut attaquer il faut non parce que dans la précipitation et par contre la magam la précipitation c'est Rwanda zone la poussée puis on a macamwana donc tout qui est la guerre n'est pas dans la main infiltré par contre vous savez ni non non puis tout qui est la main malembe ti le on va dire mon ami mais par contre vous avez l'eau y a madonga t'es pas en train de chasser par contre ti mais ils ti bambo donc bah munitions là bah on va en train de consommer donc vie là bah on est au commandant économique au sommet vraiment bah armes sur bah tenir en combien de temps mais puis tout qui est tenir parce que nous avons un budget, tu as 1 milliard presque pour l'armée, tu as vu, pour l'armée, pour maintenir Niniwana. Est-ce que nous avons un peu? C'est ça le problème. Nous avons un dialogue dans le Qatar, nous avons un peu de temps, 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 les Congolais vous avez la calme, vous avez la confiance dans le président Nabino, à vous trahir Mbogana jamais. Pe nandenga liro asa juango eza non retour a okendeka la butina suka tina sacrifice suprême donc nenga dans la congolais zara apaiser il faut vous puisse confiance bat balinga ki lokwe sali 20 ans basi zon ke na 3 ans na 3 ans ou de détour bala deza depuis sa malokonda parce que libusu zaki na bango mo donc 2 ans na ba ilunka mbala ba Kabila bat mo na ba Rwanda wana baka tumbi na bazuri na bazonga pona nini pour maintenir toujours le système en Rwanda, à Zonga toujours,
nakati ya nini Kagame azonga okomande lezo na kati ya Congo parce que Katumbi c'est aza penda poulain ya yanani ya Mo Ibrahim na ba Kagame Katumbi eyebani c'est leur poulain aza candidat ba ya ba Kagame na ba Mo Ibrahim donc ils a pas ba ta Congo pena en otage. OK, en otage. Ok, okay, merci beaucoup. Merci. En tout cas, contribution à la Guyana. Ok, toi, on est en ligne depuis la Zambie. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ndeko. Bon, d'abord, il faut d'abord analyser la situation très bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions. Les gens disent non, Tokotana Rwanda, allons nous battre, allons faire ceci. Le Rwanda nous a tués. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir, il faut aussi voir dans quel contexte l'histoire de cette mafia qui nous a dominé pendant des décennies. Vous voyez, vous ne pouvez jamais prédire le futur d'une guerre. Alors, il faut toujours bien se préparer. On peut attaquer le Rwanda et puis le matin on se retrouve en guerre avec l'Ouganda. Vous voyez, parce que on sait pas qui est vraiment l'ennemi de la RDC. On peut se dire que c'est le Rwanda, mais en réalité c'est l'Ouganda. Ce sont des gens très rusés. Alors il faut toujours très bien se préparer parce que on est un pays avec peu de moyens. Et il faut toujours très bien se préparer. Regardez ce qui se passe en Russie maintenant. Quand vous faites les mathématiques, tout le monde sait que la Russie peut écraser l'Ukraine. Mais bon, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Bon, ils se battent en Ukraine, mais ils n'arrivent plus à s'en sortir. Bien que ce sont aussi des grandes puissances. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Vous avez les États-Unis au Vietnam, en Irak, en Afghanistan. Vous ne pouvez jamais prédire une guerre. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, tout ça. Donc on ne peut pas toujours dire, non, on va aller en guerre, puis après on va gagner, et après tout tout ira en notre faveur. Moi, je vois dans cette guerre qui est à l'Est, que le Rwanda a déjà perdu la guerre d'avance. Ils sont en très grande difficulté, mais le problème qui est là, c'est que on a cette psychose du Rwanda, que donc le Rwanda nous a dominé pendant 20 ans. Ils sont toujours là, ils sont toujours très forts. Non, ils ne sont pas forts du tout. Vous voyez, ils commencent déjà à perdre. Parce que dans chaque guerre, il y a ce qu'on appelle war fatigue. Ok. Au début, il y a toujours cet excitement-là, que dit non, on va prendre Goma, et on va prendre Bourgalagana, puis on va mettre le gouvernement congolais à genoux. Mais regardez, maintenant, ça prend des mois, ça commence à prendre des mois, peut-être ça prendra une année. Puis après, éventuellement, il y aura des négociations. Et après, tous ces gens-là vont se retirer de la RDC, vous voyez. Donc, je pense que la population a besoin de la patience. Cette guerre, nous l'avons déjà gagnée. Ok, mon frère. Allô, oui, ok, merci. Donc, cette guerre, nous l'avons déjà gagnée d'avance. Il n'y a rien qui va se passer. Merci pour votre contribution si importante à notre antenne à Trèche Combattant depuis la Zambie. Ça, ce sont mes contributeurs. Hein? Bateau, leur point d'opinion importe. Leur page à Moutala, leur page à Béla, à travers le monde avec qui nous parlons souvent la partie. Nous partageons quand ils donnent réflexion. Ils ont réflexion, robot et tellement. Ils ont vraiment dans Zéla, comme on le dit. Tosine de Ko, Abing Bissot, la France, numéro 1464. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ya, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour. Fiez-vous au téléphone. Oui, d'accord. En direct, oui, merci. Ok. Ah, oui, merci à Nandengo Yambinga. Et puis, Nazali, na moi Mukia Koloba. Allez-y papa. Par rapport kaka par rapport Nenga Ninga Beba Zoloba et situation Nenga Ali frère Aouti Koloba, la guerre on sait quand elle commence, on sait pas quand elle se termine. Oui. Il faut qu'on en a la base arrière et à Makassi pour na
ressources y a ma casse derrière pour na ko kené na guerre longtemps et puis guerre et ali dépense et am bon délai représailles c'est vrai droit et ça la représailles tout de suite mais le problème est-ce que les provocations t'es pour toya comme ça va affronter Bissau bah il dit très bien que la région nan nous to implanté armé na Bissau Penza o ya confiance t'es parce que bas soldats au bazar kuna il y a encore des infiltrés il y a encore l'infiltration à ma casse c'est pour ça aussi que moi et toi avancer psychoisaté est-ce que c'est pas une provocation la part à Rwanda pour aller mi situation là aller mi que psycho sont au kena guerre en tout cas tu crois que tu as pas un échec bon ce que bas chebiso parce que psycho tous en armée hein. Tous en armée, tous en Bibundeli, mais tous en Batou, il y a confiance et dans la région. Donc, il y a une contribution, en tout cas, il y a une bonne pour maloba mingité. Donc, tout qui est malembe, tous en avion de chasse, tous en hélico, ils ont contrôlé. Tous en drone, ils ont contrôlé. Donc, Bakoya te ngulungulu. Ce qui va poussani. Tokobanda ko pousa ba ngama lembe so ba pousa de ba ti tangu to komona ke to komi prêt to engager guerre wana tranquillement bande ko to ki tsamtema to sala musala neti bata mayele merci pour la parole au PC ngai en tout cas merci beaucoup pour la analyse na yo analyse ya bande ko poko lamu na bino soto merci beaucoup ndeko depuis la France pour na nous sommes en tout cas la plateforme na biso nous prenons encore vos appels hein numéro ibanga biso je pense appel à Ohio numéro téléphone normal maintenant que l'antenne est libre maintenant je pense qu'il peut bien nous rappeler alors voilà numéro à Cincinnati et ceux qui n'ont 86 59 numéro à Cincinnati alors +1 513 alors, numéro à Cincinnati alors si il peut intervenir maintenant. Vous voyez que la guerre, bah, Nicolas a passé par argument, il y a aussi ce qu'on appelle l'usure de guerre. Ce guerre, on mêlit, c'est comme ça. Avec l'infiltration, qu'est-ce qu'on fait? On repousse. On met un verrou difficile à traverser. J'ai mis, dans une contribution, je pense que l'honorable Jean Moutala, oh le bien avec non, M23 n'est pas connu avoir une armée de l'air. Ils n'ont pas d'aéroport, ils n'ont pas de piste d'atterrissage, banangoté. Alors, si maintenant on entre officiellement dans la guerre, tu vois, la guerre officiellement contre pays tels que. Officiellement, la guerre en contre pays tels que l'Ouganda, indirectement, hein, s'il faut le savoir ainsi. Tu as une de quoi, Ben Bisso, le WhatsApp en France. Allô, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. La zone d'émission. Allô? Allez-y, aux en direct. Dans la zone de France. Oui, aux en direct, allez-y. Il y a une question qui est très importante. Est-ce que force, il y a Kenya, c'est une zone ou bien les agres dans le cas qui sont. Parce que, il y a ceux qui sont dit que c'est moins difficile pour les soldats dans la vie. Il y a des zones qui sont dans la zone. Jusque-là, il y a des zones qui sont dans la zone. Il y a des zones qui sont dans la zone. Ce que j'ai entendu. Oui, parce que au monde des militaires, on se trouve pas indiqué comment n'ambo quand on a bangoura va retourner les gars militaires, les gens qu'on a militaires, bah on a difficulté, nous aussi. C'est ça, vous avez la raison. Et là, on n'a plus de rien, on a quoi. Merci pour la question, Neko. Alors, ce qu'on a entendu, c'est que les Kenyans, quand même, ils vont kender. Mais alors, sur le plan, il y a force journal, c'est plutôt bas engagé, c'est plutôt les Soudanais du Sud qui veulent venir chez nous. Mais la question qu'on se pose maintenant, que au Soudan du Sud, il y a une sécurité panamango, ils ont des troupes rwandaises qui s'établissent chez eux. Je ne sais pas pourquoi ils s'empressent à venir chez nous. Et au moins, ils sont motivés à venir. Ils ont déjà fait Mamnyonso pour Baya. Les Kenyans et sont dans leur logique. Ils ne veulent pas se battre contre leurs propres frères. Parce que pendant, parmi les M23, il y a Bandeko. Leur crainte est que, peut-être, représailles Bandeko M23, ils ont pris dans les feux. Il y a un rapprochement pour s'imiter entre les Ougandais, les Kenyans, les Rwandais, pour s'imiter dans les Makassi. C'est presque le même peuple. Alors, côté Ouanande, Bazar Odinga,
s'engager. Mais ils ne vont pas se retourner contre nous parce que nous sommes officiellement dans le cadre de maintien mission de paix. Ce qui nous, la RDC, nous évaluons, nous trouvons suffisamment que tout remercier Bango pour l'effort, hein, pour avoir tenté d'aider, mais ça n'a pas marché. Ils vont carrément plier bagage et pas Bango. On est en train d'acheter le temps, comme on le dit. On achète le temps. Hein. C'est du, comme on, l'autre intervenant a dit, la guerre d'usure. Guerre d'usure, moi, tant. Et au moment où on a eu, ou fatigue, ou nakati. C'est ainsi que on a une guerre mondiale. Et c'est ce que nous avons parce que c'était les Kambo, il y a usure, fatigue. Sauf au moment la guerre, ça fatigue toujours. L'objectif de la guerre, c'est la cap. Bokoti, vous prouvez que vous êtes fort par rapport à la position que vous avez besoin. Souvent, on va contrôler la terre, il y a le territoire. Nous avons contrôlé, nous avons à mesure, il y a qu'on neutralise bien. Oui, il y a Frédéric, c'est vrai, les Burundais sont déjà engagés beaucoup. Avec les FARDC, ils sont dans le sud de Kivu. Les résultats sont comme on en a. Côté on a Burundi, ils ne font pas trop de propagande. Hein. Ils n'ont pas trop de médias qui leur accompagnent comme les Kenyans font. Peut-être que les Kenyans parlent à Goma. Et puis à Goma, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes, il y a des médias en ligne. C'est pourquoi tout le monde a plus de Kenyans. Mais les Burundais sont aussi là, mais c'est silencieux parce qu'on est voit à Bukavu, à côté où à Burundi va déployer. Il n'y a pas trop de présence à presse. Et puis à Burundi, il y a des terrains où on a. Ils savent, l'objectif de Mango, ils savent de se battre contre. Les rebelles qui, à une certaine époque, ont voulu renverser les pouvoirs au niveau de Burundi. Donc, ce qu'on appelle les Red Tabara, Batuti Burundais, qu'on avait préparé par Kagame pour faire un coup d'état à Kurunziza, ça n'avait pas marché. On les avait chassés, les lots se retrouvent réfugiés en RDC. Alors, nous continuons toujours notre libre antenne. Donc, nous avons une conférence. Tant que nous sommes aussi là pour les amis qui vont nous suivre en différé, et nous sommes en deux volumes. Première partie, que vous avez partie en analyse. Deuxième partie, et vous avez la conférence. C'est comme ça qu'on va faire notre émission. C'est Lango Bongo pour permettre aux gens qui vont nous suivre en différé de ne pas avoir une mission trop longue. Hein. Les amis, nous sommes beaucoup plein que ma mission, ils ont comme trop moulaï. Moyen pour qu'on se concentre, mes amis, ils veulent une émission très courte pour Balanda. Balanda en antenne. Il y a beaucoup trop d'activités là sur WhatsApp, on va discuter, beaucoup de choses dans le groupe WhatsApp. Alors, si peut basculer dans le chat, ça va beaucoup nous intéresser. Alors, les amis, il y a aussi un fake news, hein. Les fake news est que le Congo n'a pas de programme d'avoir d'armes atomiques. Parce que, que les Congolais sont fatigués, ils viennent finalement avoir une bombe atomique pour finir tous les Tutsis. Comme si l'arme atomique est pour la rabat tout si et au moment où tout est à l'ondeco et la mote n'a eu plus de l'année de l'union sur ma langue d'abissoir mote papa n'a pas intervenir tout le monde dans mon découpon à ma voie force et ce qui a été assez on a pas été à la banilotique on a pas été à mais vraiment à t'abissoir beaucoup peu vraiment est-ce que tu connais ma femme qui banilotique on a pas au bon moment de on a pas banilotique c'est impossible Et puis, tout le monde a dit que la mission était en guerre. Il y a des gens qui ont été en guerre. Ceux qui ont été en guerre, ils ont été en guerre. Parce que les gens qui ont été en guerre, ils ont été en guerre. Ils ont été en guerre. Donc, tout le monde a dit que. Et puis, il y a des gens qui ont été en guerre. L'État a dit qu'il faut identifier dans le plus vite que possible la population. Moi, bah ça ben là bah empreinte digitale n'est pas là n'importe où. Comme ça, bah en gros sur territoire congolais, on a mon candidat, on a mon, on a identifié comme tel. Ben aujourd'hui, il y en a eu. Moi, donc vraiment, ouais, pas on a mis avec on a battu, on a pas forcé, on a battu, on a pas est, on a battu, 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 vous imaginez ça? Attends, mon con a battu, on a battu. Ce que tu n'as pas besoin de dire. Oui, est-ce que y a eu quand même un battu, on a attends l'information. Évitez ceux qui ont été déjà qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été donc, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. C'est vrai que toujours faut faire des parce que chaque jour, même dans les minutes, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
Donc, à la minute, il y a tout sur la boue, il y a un crime de ça à la Makuna. Parce que la zone où il y a un bazali, où il y a un M23, où il y a un contrôle, il y a des crimes qui, sont, qui se font là-bas. Mais si ce n'est pas la boue, l'État paye à Ibi Petit. Et si tout est présent, les gens qui ont des caméras, qui ont des filmés, qui ont des images, ou bien enregistrés. Alors qu'il y a un autre qui fait ça à ta campagne à Bongo. Tu as une zone où tu as enregistré des images, tu as enregistré des audio. Parce que ça va servir de preuve plus tard. Donc. Merci vraiment. Merci. 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 WhatsApp. Alors, bonjour. Bonjour, mon frère Blaise. Bonjour, papa. Ouais, salut, Didier. Ok, papa Didier, allez-y. Moi, Nicolo Mimi. Nicolo. Nicolo Mimi, tu as dit que tu as dit. Ok. Bon, je vous merci. Mbote na bande gonyo sotou o ba participe na sepeli na ba intervention na bango nga la nyana na ba boye ba tout bon pesa ki ba e ba indisa ki gouvernement na biso nerer akota na CAC ezala ki ba bisele le wana ezala ki po ba tia ba kota biso na kati ya ezala ki piège ezala ki po ba kota biso na kati ya piège moko il y a bah Rwanda na bah Ougandé et c'est ici que le gouvernement la biso il faut sa décision à l'ouka abîme la carte à communauté wana pe à zone ça va soudain na bango et dede tous ces na chef d'état major na biso jusque là bah infiltré bazali ton lani bah ne coupe bazoko pe ça bah déclaration na Goma bande comme ça batini ba audio batini ba audio pendant que bato bazoko bunda général oza na katanga azoko bengisa réunion a longoli bato na kati ya ya rang ya bataille ba bale ba M23 ba ko botola donc il faut Christian Tiou e batala makambu ya ba commandement oza na kati ya bamboka wana. Ma général, il y a un mouvement qui est en train de se faire, il y a un RCD qui est en train de se faire. Il y a un petit peu de temps, remplacer. Il y a toujours un peu de temps, travailler pour le Rwanda. Ok. Donc, voilà un peu la contribution de la PESA. Merci, Namoussa, de vous salaire. Merci, Ndeko. Tout le monde est sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oh. Allô, bonjour. Bonjour frère, vous êtes en live? Oui, tout en live, oui. Mais dans ce moment, Estona, n'habitez, n'habitez que vous avez par exemple aux informateurs parce que j'ai HK Today, quand on a été débat là-dedans, avec au fond le corona parce qu'il y a qui est très occupé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans Ngambwana Est, par soldat y a Ouganda officiellement, par côté Pena et Bélé. Alors, tout le monde a déploré, il fallait battre dans le corps pour empêcher le corona. Et puis, notre général, frère, et tout le baké, Azoko, avec ses réunions, Moko, Atiki, vide, on va remplacer. Donc, c'est des choses, une habilité pour n'en avoir dénoncé, parce que tu vas qu'on d'abord, ben, Narabino. Donc, Azoko, on comprend plus rien. Avancement, ça, et ça, la maté. D'abord, quoi, il me soucie, si quoi, il faut qu'on maté. Je ne sais pas. Et il y en a premier point. Deuxième point, maintenant, le basoki, armé, notre avion de chasse. Est-ce que occupé que nous quittons un report, nous souhaitons pour ça va action, il faut qu'il quitte un goma par rapport à ce qui vient de passer hier. Ok. Ouais, c'est bien, ils ont proposé mal à moi. Je pense que c'est Yokami. Bien entendu. Ok. Merci Ndeko Namai. Merci Ndeko. Les frères Ponaïe ont pensé qu'il faudrait. Avion italien n'est pas Moussoussou, mais quant aux informations, Oyo et Makamoué à Réunion, ça, moi je n'ai pas eu cette information là.
je vais vérifier ma câble moussoussou, tout le monde, qu'est-ce que les gens disent. Hein? Des fois, bah, une fonction sous tous les rateurs coupés en gros, avant de diffuser en gros, on ne vient pas vous diffuser ben, information ou vous avez supposé. Hein? On veut au moins vous dire quelque chose qui est vrai pour en tout cas, tout y est, bah, n'engue, yako, informer bien normalement et puis couper ça bien espoir par rapport à. Notre pays, Maramo, ils ont toujours pas dans le sens négatif, hein, parce que négativité, ils ont un bacala, mais si quoi, les Congolais vont commencer à se prendre en charge. En tout cas, les Congolais se prennent en charge de plus en plus. Nous allons découvrir, remercier Bissou pour notre message. Je vois un message na WhatsApp. Les gens nous écrivent sur WhatsApp, tout comme ceux avec qui nous sommes en direct. Numéro et Bengi Soukreza et numéro à France et Souki na 37. Ok, 37, hein. Numéro à France, Zolinga et Benga. Alors, Togo de Satoyoka, Ndeko Alingi, Alomanini, effectivement, par rapport Yamakambo Oyo Yantenabiso, Sima, Souki, je pense bien que Batoubaza suffisamment de ma participation en gros, Togo rendre antenne à Pona, Mokolo, Ya Lilo. Alors, Ndeko numéro, Naya France et Souki. Na 37 numéro et à France. Alors pour vous dire que na France qu'on a un roulement ici Bandaki, tout le monde en commandant les Rokende et puis na Afrique du Sud, bah ça roule penza hein, bah ça roule qui, na paye mon sous dans une anou, bah feedback t, mais le bumbashi nous vous confirmons parce que le premier ministre Sama Lukonde s'est enrôlé, il s'est enrôlé au collège Imara na Lubumbashi, Mokolalelo, Azaki na Kijakiabula Katwe. Je pense que Kuna a roulement et bandit. Alors, on déco France, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui. Allô. Allô. Allô, bonjour. Vous êtes en direct. Oui, Nathéro, t'es revenu ici, Koya. Ah, ok. Confusion à numéro, appelé doublement, confusion à numéro. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je pense bien que Batouba est suffisamment éclairé. Batouba est belé en direct. Merci beaucoup, Bandeko. Bochan, j'ai mon aroma des 100. J'ai mis à 168, 62. J'ai oublié de vous rappeler de mettre le j'aime. Quand vous connectez à la plateforme, au chez moi, quand même, moi j'aime. Ça va nous faire normalement du bien. Ceux qui ont connecté l'antenne, voilà, Ndeko. Comment il y a un message à la WhatsApp pour remercier Bissot pour l'information. Ils ont beaucoup de Ndeko. Vous êtes en Gabon? Ok, moi je suis au Kenya. Oh, au Kenya, ok, 250 au Kenya. Ok, Ndeko dans le Kenya. Allez-y, Ndeko, on a Kenya. Oui. En fait, moi, mon inquiétude, ce sont les forces-là de l'EAC. Mm-hmm. Et surtout la force kenyane. Mm-hmm. Bon, je suis de l'Est. Mm. Je connais la brousse là, les massifs et les consorts. Je connais même tous les rebelles là. Je connais Janvier, je connais les cambouses là, comment elles se comportent et tout. J'ai vécu avec lui, je les connais. Et aussi au Kenya, j'ai 23 ans dans ce pays. Je connais comment cette force se comporte. Ce n'est pas une force qu'on peut avoir confiance à la force auquel on peut pouvoir avoir confiance. Je donne l'exemple de la Somalie. Ils ont été en Somalie. Ils ont fait la même trahison. Et qu'est-ce que les gens, les Somaliens ont fait? Ils les ont massacrés. Vous connaissez massacrés comme ceux qui se faisaient au Rwanda à cause de la trahison. Et c'est une force qui est facilement corruptible. Si vous donnez quelque chose, ils vont automatiquement faire ce que vous voulez. D'aider, ce qu'il faut comprendre, il y a eu des tensions entre les présidents passés et l'actuel président du Kenya. Et les tensions étaient survenues pourquoi? Parce que les présidents actuels coopéraient avec les Rwandais et l'Ouganda. Et l'autre n'était pas en bon terme avec les Rwandais et l'Ouganda. Alors, il faut voir ces divergences. Et ce qu'il faudra comprendre actuellement, c'est la guerre des Nilotiques et les Bantous. Il faut que nous prenions conscience de deux. Oui. Les forces sud-soudanais, j'étais au Sud-Soudan il n'y a pas longtemps. Il y a deux forces au Sud-Soudan. Il y a les forces du vice-président et les forces du président actuel. Premièrement, les tigres, on les appelle les tigres, qui sont maintenant là-bas. Ils vont peut-être se venger, oui, ils savent se battre, c'est vrai.
Mais ils ne peuvent rien faire pour la RDC dans le sens qu'il y a la main de Museveni là-dessus. Et il faudra comprendre que le Rwanda et l'Ouganda contribuaient à ces forces-là pour se battre contre le Soudan du Nord. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'ils vont trahir leur maître ou pas? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Parce que nous avons aligné nos ennemis, déjà, nous avons aligné nos ennemis, oui. Objectif. Nous avons mis ensemble. Parle des trois. Wow. Oui. On a quand même. Et puis, si on dit actuellement que les forces régionales, les forces de l'air se quittent, ok, ils peuvent quitter. Mais ils vont quitter comment? Est-ce qu'ils vont quitter comme ils sont entrés ou soit ils vont quitter et laisser le matériel et même les stratégies qu'ils ont vues à l'ennemi? Et on ne peut pas les surprendre et dire non, ok, l'avion est là, ok, les gars, et quitter le pays. C'est anormal. Parce qu'ils sont mélangés. Je vous donne une expérience. Moi, j'étais ici, j'étais parti à la CR. On s'est bâti avec des gens. Mmh. Les gens viennent du Rwanda, ils ne connaissent absolument rien du Congo. Mmh. Ok, moi, je connais le Congo. Je suis congolais, de père et de mère. Mmh. Mais tout congolais, il connaît quand même parler français. Il parle un peu le lingala. Il doit comprendre le lingala. Et si tu es de l'Est, tu dois parler kiswahili. Que tu l'éveilles ou pas. Alors, tu vois quelqu'un, il ne connaît absolument rien de ces trois langues. Et puis, il part, là, ça lui octroie le statut de réfugié. Il part en Europe, il va n'importe où. Ok, c'est un Congolais comme qui est congolais. Parti. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on contrôle aussi les affaires des ambassades. Parce que la politique ne se fait pas seulement là-bas. Nous sommes victimes de beaucoup de choses. Mais moi, si à mon avis, je voulais que la force kenyane quitte le pays, sincèrement. Si vraiment on veut la paix et qu'on veut que nos militaires gagnent la bataille, les forces kenyanes peuvent quitter le pays. Et tel que je vous disais, moi j'ai vécu Kambouzi, je lui connais. C'est un type, tu sais pourquoi on l'appelle Kambouzi, on l'appelle, tu sais, tu vois les petits chevrons là, il est très compliqué. Okay. Les gars, s'il attend le crépitement des balles, il va fuir et aller récupérer ce qu'il a entendu comme armement ou consort. Moi, j'ai participé avant que ils ont combattu les forces des Nations Unies. On les chassait du Mont Sinaï pour qu'ils que les Américains et les autres commencent à exploiter les minéraux. Derrière la montagne, l'uranium, on les a chassés là-bas. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait le travail d'homme. Ils ont fait le travail d'homme. Les gens parlent, mais si vous passez là où ces gars se trouvaient, tu vas te poser la question, est-ce qu'ici c'est le Congo? On est... En fait, on est en problème. On est en problème. Il faut que tout ce monde la quitte. Qu'on laisse les Congolais aux Congolais. On peut se battre contre ces gens-là et on peut y arriver. En tout cas, merci pour l'information. Oui. Ça, c'est mon nom, Capitibou de Kenya, avec une intervention très pleine d'informations. Ce que nous voulons pour notre plateforme, c'est que nous avons des photos, c'est quoi leur comportement, c'est quoi leur mentalité. Tout de suite, nous sommes partis en Angleterre. Si je suis en France, moi, là, je pense que tu es. Donc, on rentre en tête, la vie sur la preuve de Bobrands. Toujours un déco numéro est Suki, na 7294, numéro en Angleterre. Alors, bonjour. 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 Allez-y, allez-y, Loba, aux en direct. Loba, c'est la TVT. Loba, un téléphone, mais la moko. TV, ils en ont moins retard. Oui. Sauf que le basico, il ressent bien. On remet au Kassima. Allô? Maman, je suis en retard. Alors, on a besoin de vous. Allô?
ça voilà les gars qui ont le belaka après le tambour et avion wana. Ok, allez-y. Kenem muskana TV. Qui t'a voulu ma télévision? Tomoni avion dengue. Ba beta on se bombe sur ma ça c'est pour éviter. Bon. Problème ezali wana. Allô? Allô? Problème ezali wana. Eh, on a solo ba. Mama yo lobaka une fois kuyo kolanda TVT il retient ça en retard lobaka une fois excusez na zo ndeko branze moi là ndeko rappeler tous ndeko branze moi là ndeko allô ndeko oui bonsoir mon frère Blaise bonsoir papa la bestie ma connaît son beauté toute la famille ATN oui branze on a intervenir vite fait par rapport à compléter mon key idée ndeko tu ko bien partir à Kenya vas-y mon frère. Oui, en tout cas, bah, détail, on dit ça, c'est de quoi, mais si tout ça, moi, je crois que, bah, service, n'a bien sûr, et non, là, bah, non, avant, armée, ou, y a régional, y a EAC, écoute, en bas, quand, bien sûr, est-ce qu'il y a, en fait, pas mécanisme, moi, quoi, au Luka, qu'au sein, on a une, bah, enquête, y a, quoi, Luka, koyé, bah, Twango, koyé, bah, troupe, on a, qu'on l'a, là, vraiment, n'a pas de détails possibles, je ne crois pas. Je ne pense pas, on a raison, oui, n'a pas de et ça, la majorité, bah, je ne veux pas, ils n'ont pas fait ça. Et ça l'a maquillé, en tout cas, tout ce qui m'a comme quoi, qui m'a dit, en tout cas, c'était vraiment une grosse erreur. Erreur à ma casse, vraiment, et voilà, ceux qui m'ont conduit vraiment à l'endroit ATN, en tout cas, et c'est le gomor, le quoi, la bise au monnaie, tout le monde, tout le monde, et deuxièmement, il y en a tout, bah, soldat, il y avait un moment où, bah, soldat ougandais, armée ougandaise, bah, côté qui, pour n'a qu'on traquait, bah, groupe, armée, la bango, et bah, ça, l'anga, mon abiso, bon. Suite à l'armée Wana, est-ce que Bazonga ou Bazonga de? Bazaka na Congo. Baza. En tout cas, tout ça, moi, je me demande, est-ce que Bakondinabisho est armée? Baza, l'habité Batia Bangona, qui si, Tonini? Comment se fait-il que Ouganda égale à Rwanda? Tenez bien, très, 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 très bien. Malgré. Écoutez, ma malam ou le président, là, qui sait qui, à l'autre bas, quand on met fois dans le discours, on est qu'il est allé vers les 9 pays voisins, il y a RDC, à l'ouquel, là, que ça bango, écoutez, ma malam, moi, là, que ça bango, tout, la relation, bon voisinage, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, quand on veut d'abord combattre, que tout, Luka, Nerazo, quand M. Soir, Rwanda, il se toujours continuer à co-héberger dans mon cannabis, tout le bazo, nous, biso, moko. Et ça, le coup, là, aujourd'hui, on a lié, on a quatre ans d'après, on a eu le résultat. C'est ça. Nous avons un problème, il y a infiltration, oh, non, ils ont dit, eh, biso, tire, et là, nous aussi, la thèse, continuer. Et après ça, tout le monde a su qu'on a grandement porte. Combien de temps de toujours vivre à Boye, ni Kuna, ba territoire rebelle à occuper. Ben, de quoi on continue qu'on koufa. Et nous, on est toujours là en train de croiser les bras, la télé communiquer à Patrick Mouyaya. Non, nous condamnons. Oui, on condamne. Mais il faut aussi, tout à la rappeler, tout le monde a tout faiblesse. En tout cas, on s'est dit. Toujours là, sa faiblesse en fait. Faiblesse n'a pas face à Rwanda et tout ça incapable et à cause de la décision. Il faut tout dépendre toujours communauté inter. Ça fait trop mal, mon frère. Mais prenez vraiment ma mesure, ma précaution afin que ma commence à la mana logique à mon ougandaise. Bozo nanan. Oh boy, moutoumoutouma quoi naïe. Tout si la nana. Je comprends pas. Et assez, bah, comme ça, la tourisme. Et assez là où qui n'ont été que non armé on a baillé balancé nini boy tout ça la compte et assez non ils sont là mais nous on continue nos soldats continuent de combattre eux-mêmes alors ça sert à quoi présence na bango na mboka wa na est wa eza nini et tout ça le président le voit ou pas ministre de la défense à zombo na ou pas premier ministre a dit na calculer que coûte na mama kambo na te yena mona kaza quoi à moi ferré mon boy mama kambo na tika même pas quoi quand ça na déclaré donc na éviter mais ça devient de trop attaque à ce que salami oui moi j'ai pas dit que tout se lancer directement na nini à l'heure contre Rwanda tout se lancer directement na guerre non mais au moins mama kambo monsieur tout coup se débarrasser na ngo
armée ougandaise pour bazonga na kan na mboka na bango et ya se o fou ko luka ko kata a tout prix ko kata sur contrat ce qui nini basara ki bazonga et tout continuer ko potana parce que présence na bango changer nini. Voilà, rien c'est substantiel quoi. En tout cas, ça fait trop mal, mon frère. En tout cas, mi ya kolobezali, mais Zambasunga. Biso todo sambela, oui. Mais en tout cas, l'enterre ou tobane koloba l'enterre, ça devient de trop bon. Totika ba ninga ba bandekoba koufa koufa na nous entre temps, biso, todo formé na nous, mais kuna bazo continue ko gagner terrain. Mais c'est un peu sûr comme ça, l'époque qui a FDL, hein. Tozo rassima, mouke mouke, allez, qui s'arrête quoi. Eh ben, toi ya, ton kouta na mandaka, mandaka quoi. Bon, ton kouta na kishasa. Ce n'est pas normal. Moi, je crois que l'armée n'a plus le gouvernement n'a plus le faux la responsable. Makambo et Taliba, EAC Wana, Bazonga. Armée ougandaise, Bazonga. Parce que, vraiment, la minute où même ce que tu as lancé guerre, on est déjà des perdants, moi je vous dis. Avec l'armée ougandaise sur le terrain, avec les EAC Wana sur le terrain, on ne peut rien faire. En tout cas, mon frère, ils ont fait ça en Akanda. En tout cas, la suite qui va. Merci de vous prendre un mot. Tu as bandé que vous avez un avant de monter à Souka, maman a besoin d'Angleterre. Alors, maman, ce qui est en Bambi, alors, il faut le Bambalamoko, qu'on se l'até à Pouke ou Bande Romé ou la TV. Hein. Il faut parler une fois à ce qui. Ok. Tout de suite, de mon abisso, à Zan, il est d'habiter en Angleterre. Alors, allô, bonjour. De quoi le Bambalamoko, qu'on se l'até VT, ce qu'on se l'até VWANA et ce qui est en retard. Allô. Allô, bonjour. Ndeko Azakozela TV pour Ayoka Tournaye. Naïf Sakyalo Mbalamoko Azakozela TV dans une de Rojac à partir de RDC. Allô, bonjour. Allô, bonjour Ndeko Jacques. Oui, bonjour Ndeko Blaise Boni. Très bien, Ndeko. Ok. Nanga ki ko intervenir moke par rapport à ma Ezole Kalamboka et surtout pour na. Monsieur le Beta qui a vu un abisso. Na bandi ke na uti kozo kaka sikoyo. Na bandi ke ndekwa uti kolobana pour n'angaza na pleinement raison. Parce que beaucoup n'abisso que copal photos en armée moko dissuasive. Donc armée ezawana pour na que tozana neuf voisins mon cher. Ezali sécurité. Ata lelo o lobby kobe ma Rwanda sili toi ba ke moko musu se koloka kote le melabisso. Et puis RD ces amboka osaka na ngote atamai oyoyo il o douce bambo kebele za na ngote lobi kula ba osala biso guerre likolo ya mai ce qui toye barater il faut to milenge la de façon que toza na armée moko makasi tala lokola mboka moke lokola Rwanda comment bazo sala makambo wana et puis plus grave encore bazo beta misile na est-ce que Rwanda zala ki na misile wana pour pa beta yango bazu yango wapi mais entre temps to fandi na biso gouvernement aza ko réagir te azo pesa gomo kote na ebite soki ezani bazo zela ke goma ekoya nende ko tiko ba kisangani ekoya nde sima siko ba lancer go biezani parce que nga na ebi que même atana maimai aba maimai wana armée eza kuna na goma soki kaka ba franchir frontière wana na bandi likambo aussi mais soki boye to continuer ko perdre ba tutiwa supposons que avion ndenge to lobi ke ezwi. Mais si, si vous avez un bon sang, vous avez un frère qui est un bon sang, vous avez un bon sang, et puis vous avez un bon sang. Mais si vous avez un bon sang, vous avez un bon sang, vous avez un trésor public. Donc c'est comme si vous avez un prévu un imprévu, vous avez un bon sang, vous avez un bon sang. Je crois que, en tout cas, il faut que le gouvernement soit là bien et surtout. Bah, au basa ko kamba armé ba mika ko réfléchir malam par rapport à commandement na bango faut pas to croiser ka toujours maboko to za toujours ba plein cher boy na boy na la tanga ke moment la ndego moko to ba ke lo moko so ki le naibité so ki to kati ko Rwanda courant est-ce que c'est infraction ko ka ko pini na ko kati courant mais pendant des semaines tout à la suko ce qui industrie na so ki ka dan mais na ko vivre en dingue ni hein en tout cas moi contribution na moko na zalaki na moyo ya mwana merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Tout une Ndeko na téléphone numéro Esuki na 8659. Tango toujours maman maman Angleterre toujours relancer et payer comme ça tout roule bas. Allô papa. Allô Ndeko. Na zongi les sous moi maman na bakse maso pour mukia. Bah ça rapide. Tout ça la musique nous soutient en scène bas. Loba.
Mais papa, on a zaku na bandeko mobu a to sana bango a baza ba Kenyan, baza peka ba Kenyan to so to so to so la ndoko na TV, to sana bango na so expliquer bango situation ya makambo ningi zo leka kona. Mais mon frère, mais nini position ya Félix Tshisekedi vraiment biso tout sur art zo kama. Est-ce que Félix Tshisekedi vraiment azo yeba est-ce qu'azo mona to azo mona ti Il y a un peu de 5e primaire, ce qui m'a expliqué, ma gambo, ok. Mais il y a un peu de faire, il y a un peu de tourisme. Mais dans l'intervention, il y a un peu de papa. Chaque jour, il y a un peu de ouf. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Quelqu'un dit ça ici, Nzambe a un peu de temps. On a une réflexion à Bissot, ba Bantou, ba Congolais. Guerre, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Na pays le roi de Soudan, ça c'est une blague ou quoi? Président Félix Tshisekedi un jour à Kosamba, ce qu'il est en train de faire, c'est la trahison. À se trahir Mboka na biso. Tôt ou tard, ba kozo na bana bar. C'est vrai que tout ce monde a fanatisme, belé va te bela wa, ba zoko la ni boyono, malembe, ba plein de guerres, faut attendre, tout ça mais biso ba tozo continuer ko koufa. Président Félix Tshisekedi a mata a quitté un jour et le cas où ça a eu une trahison. A quoi ça m'a rappelé le Gambo Oyo? A quoi ça m'a rappelé le Gambo Oyo? Merci beaucoup, Ndeko Blaise. Merci, Ndeko. Je pense que Ndeko, après c'est pour ça, c'est son point de vue hein, par rapport à Makamu Ndengue Isaac Oleka, la plateforme Nabiso. Ok, tu dis Ndeko Avana, Nina Kata Manamoko, Ndeko Moussou en ligne. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Papa Freddy Nyemboué depuis Michigan. Allez-y, Papa Freddy, il fait Freddy depuis Michigan, allez-y. Oui, Naza en live, hein? Oui, oui. Bon, Nadingi, Mbalamoko, n'a recadré, frère, Nabiso, à Outikolobatiko, que allez-y. Félix, à Kokangama, à contrahir le pays. Nazo, Yébisaye, Boye. Moutou oy a koti selibiso ba Rwande na Congo et sa Félix Tshisekedi. Ça c'est un. Ba contrat nyonso oyo ba accord nyonso ba banda ko signé depuis 2013 si et Zali Félix Tshisekedi. Il faut aye ba que Félix a koti mboka et za na ba problème ebele. Félix a zali ko sala effort pour abimisa biso na ba problème wana. On se souviendra aussi de Moussé Laurent Désiré Kabila qui avait dit « Ne jamais trahir le Congo ». Mais c'est lui qui est venu avec des Rwandais au Congo. On va comprendre, hein. Alors, ceux qui ont dit qu'ils sont fanatiques, ils sont fanatiques parce que tant que tu as dit que Moussé Laurent Désiré Kabila, on n'était pas des fanatiques. Tu linga qui est pour Ayaki n'a pas aidé à bien, mais malheureusement, par contre, il y a un Rwandais, mais il y a un Yamabe. Voilà. Que bah, alors, il y a ceux qui ont dit que donc, Félix Akosamba, on comprend que Azali Moutoua Fayoulou ou bien Moutoua Oyo, opposition. Félix, tu sais qu'il fait ses efforts, Moutouignon, sur toi, Azali Komona. N'a y a pas que Félix, tu sais qu'il un jour a pointé du doigt à Kagame. N'a y a pas parce que les colonies sont Oyo, les Congolais sont comme Bagnon Solok. Politique, tout le monde a droit de dire ce qu'il veut. C'est grâce à Tshisekedi Wanande a fait nos trois boloba. Pour Nathan Wakabila, on se souviendra de Arma Tungulu Ndenge Babomaye, on se souviendra de Yasebe Ndenge Babomaye. Les Congolais, tout le monde est naïf. Nous sommes des naïfs, nous oublions beaucoup. Parce que nous ne lisons pas l'histoire de notre pays. Si nous commençons à lire l'histoire de notre pays, aujourd'hui, on ne va pas condamner Tshisekedi. Avali Koloba, tôt ou tard, Tshisekedi a causé là, bako condamné, bako kangaye pour la trahison. Et si aujourd'hui nous gagnons la guerre du Rwanda, qu'est-ce qu'il dira? Voilà, voilà. Bon, mais tôt ou tard. C'est ça, oui. Tôt ou tard. Tôt
Ok, papa Fredy Nyamboué, tu vois que ça se trouve à la moitié. Est-ce que vous s'en allez, c'est quoi ensemble? Honorable, bonjour. Honorable, bonjour, honorable, merci. La moitié, vous s'en allez, c'est quoi? Maman paye ou divise, ça fait la stand-by. Non, tu vois, vous voyez, hein? Maman ou divise, ça fait la stand-by. Allô, honorable, bonjour, Moutala. Oui, papa s'est levé un peu la queue. Ok. Nasi n'a pas maki nangai, mais ndeko oya outi koleka avant mon frère Nyembe, donc vraiment ndeko ana na yebite quoi. Bon, ezali nango opinion na ye alobi, ngai na ye koye bisaye que bokokanga Félix te. Bokokangela ye wapi asali nini. Toti kaba biloko o toza koloba wana. Kende na makambo, ndenge ezali pe mona realite. Me suko zali na bakanda na yo. Yaba si karton na bino bo memaka kuna na nanini na cour constitutionnelle eke bo zuite, e jusqu'à présent bo zana kata nostalgie na échec na bino ndeko nangai. Kouya kana ba biloko ndenge wana te ozo loba pamba pamba tout ça, e ba kokanga e pona haute trahison. Avant ya kokanga fati, kende kokanga nanu o ya zana kinga kati wana koloba il mateba bakashamata na bakinga kati kende nanu kokanga ye les milliardaires okangie te pona ni ba brassage ba mixage ba réinsertion ya ba M23 nana sana kiam na 1997 qui nous a amené le Rwandais dans le pays putu la gloire pa pa ba konde konanga ye toza na moment o ezengeli to réfléchir. Makambu ya bien, yo zoe sa miso geno, bako kangaye, bako kangaye, yo mto ko kangaye, di n'importe kwa, na soutien. Ok, bandeko, nako sana wata suka, paske jete preska, nako mande kwa terir, na zo mama yo divisa, si mana kozoa, papa Sylvain Sendakalala, je pense que wana toko zola mesure rentre en tena, biso kame nonsi, wana yote suzaman dek, don namoni, audience wong mata lisoso, seke di jan so interese a suivre l'émission, namon audience wong mata lisoso, Tosi, maman Yudivisa, bonjour. Bonjour, papa Blaise. Bonjour, papa. Tout va bien. Je suis na bengi, na bengi na nous pour nous mettre dans nos cordes. Na na répondre na nous tata ou ya bimeli biso à l'objet d'un kang akba tout tard ba kanga fe de ba kanga fachi. Ou kasa fachi vous ayez na bamboro na Congo. Kabila ye wana zoko se pavane na ye butu moi. Olive le bepe a loba lobate. Mukoni basi bakangi Kabila mutu aya na banani mutu a kosa so ba Rwanda te ko sine ba kora ndenge na ndenge ate ko sine na ba M23 oyo ayela biso ba infiltré nanu bakangi bango te fati ne bakokanga fati mutu azu courage le lopo na a pointer kagame le doigt na vis-à-vis de la boye ba le bana bako fa sala opposition faut faire l'opposition autrement.
bango le basala le basala ba vrai opposant baza na souci ya mboka bazui en ya tshisekedi bazui ba tiena mutu avant ba kanga fati ba ba ndoko kanga nanu kabila soyo ba kangi kabila ba kangi ba tunyoso mbani ba ko oyo ba oyo ba kanga ko signer oyo professeur kalele a lobaka sito yebi yango mukole si ba kanga na si ba kanga ba tuwana basta la opposition autre basta qui a ça la ceux qui basta la basta bango souci na bango de l'écoute guerre si la te pour basta la discours na munoko mais ba ye bango guerre o eko sila guerre o yo eko sila do makabu ta vous faites ça la makaba bi ba lo bagate jamais ba kumi saka ba luka kaka une petite bête ba luka kaka do bango pas la bango il faut ba makaba négatif et la ka tout pas basta la basta la discours mais ba ye barako donc on va se reluka et ko yate le loka gami ye abandi ko lelat mukolina kabila vana 18 mukolina ngo kabila tanga ta komboya et atanga komboya dani ya kagame na makanyi kabila tena makaji olive le meta akomi ko lobaka butu moyi na banani na banani ko kritika ka butu moyi dal makanyi makanyi ba ka 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 Felix. Et puis, si on a papa, ben, on a dit qu'on a dit qu'on intervenait, mais il fallait qu'on réponde. Avant, on a dit Fati, on a dit Kabila, on a dit Kabila, on a dit Kabila, on a dit Fati. Papa, bonne soirée. Merci, bonne soirée, maman. Ah, bien. Bonsoir. On a dit qu'on 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 a répondu à Mouto et à Outou, on a dit qu'on a un jour, on a le président Félix May. Et là, on a repris le Congolais conseil. Le président des pères et des mères, Tozu et Fati. Si Koyo, ceux qui sont zangiés, ceux qui sont en train de se faire, ils sont aussi les gens qui sont en train de se faire. Il y a un regret, le Congolais, monsieur, il y a un moment où il y a un reproché pour tout. Président Félix Ité. Et ça, moment, mon copain, nous sommes tout le temps votés massivement, donc à 100%, pendant, donc à Tika, la carrière, ça, la deuxième mandat. Bon, ce qui est pire, pendant, ce qui, les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de ok, merci beaucoup, Ndeko. Pour la. Bengo Koti, pour la cause, ça va comme la Moulongo. Tu dis pas Sylvain, c'est dans le Canada. Depuis le Canada. Alors bonjour. Oui, bonjour Blaise, tous nos camarades sous la ligne présentement là. Mm-hmm. Bon, voilà, j'ai hésité longtemps hein, pour entrer, hein. Je ne voulais pas entrer, mais hélas, j'étais aussi sorti de mon gant quand j'ai entendu notre ami qui a été Félix Tshisekedi de traître, qu'il a trahi la nation, qui mérite, disons, d'être jugé pour ces faits. Mais les Congolais, ils sont terribles, hein, et c'est vraiment incroyable. La méchanceté que nous développons, en tout cas, dépasse tout entendement. Alors, quels sont les faits qui peuvent soulever, qui justifient que Félix a trahi la cause? Et c'est Tshisekedi qui a amené la guerre qui est là, où Tshisekedi a trouvé une situation auquel il était bité, chercher une solution. Alors, dans la recherche d'une solution, vous savez, vous pouvez aller dans une direction, vous allez vous arrêter, vous analyser, si ça ne donne pas des résultats, vous les réorientez, hein, c'est la politique. Tout ce qui est arrivé, c'est vrai qu'on a embrassé... nos amis là de l'Afrique de l'Est, nous avions aussi des calculs là-dessus. Mais si on constate que des éléments qui composent, l'élément qui nous a compliqué un peu la tâche, le président du Kenya, le Kenya qui était là avant, son temps étant arrivé, il a été remplacé par un type qui au départ était hostile à notre parti. Ça, c'était pas prévisible. Et avant, c'était dans l'équation, c'était l'inconnu aussi. Hein. Bon, écoute, les choses se sont développées de la manière dont ça s'est développé là. Mais maintenant, on est bien sûr, on est dedans, on est bité, on a ces problèmes, on est en train de tout faire pour savoir comment résoudre le problème.
Mais il y a un énergumène qui sort, je ne sais pas de quel brousse sans argument, là. Il se met debout là-bas, il dit non, voilà, il a trahi, nous allons faire. Il a trahi par rapport à quoi? Par rapport aux gens comme les Madidi qui sont derrière la mafia internationale que nous avions vue. Dans cette mafia qui était à Genève, le groupe de Soros avec tout le mot Ibrahim et tous les restes qui sont derrière. Ce sont ces gens-là qui ont pillé le pays. Katumbi a participé au pillage de ce pays. Bon, il a mis à terre la Jekamil dans son ancien qui était comme Jekamil à l'époque et la SNCC. Il a déstabilisé toute une région de Katanga par tout ce qu'il a pu faire. Mais voilà, ce sont des personnes comme ça. Des gens se cachent derrière et ils ont des accointances avec. Avec Kagame, bon, ça les choque pas, mais c'est lui qui est en train de lutter, où tout le monde sent qu'il fait très très mal à Kagame. Kagame multiplie des stratagèmes pour voir comment descendre Félix. Il arrive pas. Bon, mais c'est lui-là, il y a les plus médiocres des Congolais que nous avons là, qui sortent pour dire n'importe quoi, parce que la parole a été libérée, a été donnée à n'importe qui. Ça, c'est vraiment très grave. Je reviens encore sur l'autre point. J'ai suivi, il y a un compatriote qui est intervenu pour dire que les autorités, au fait, ne faisaient rien. L'aéroport de Goma n'est pas surveillé, et que comme il faut acheter des radars, ça suffit, voilà, ils sont complices. Bon, c'est du même moule, hein, si vous sentez très bien cette bombe. Mais voilà, géographiquement, hein, la ville, disons, de Goma, comment est-ce qu'elle vit à côté de la Sequoia à la port? La ville à côté, c'est quoi? De quoi? Du Rwanda? Oui, oui, oui. La ville la plus proche, là, c'est. La plus proche de Goma, là. Il y a une ville voisine, là, à côté, là. Alors, cette ville a son aéroport. Rubavu. Vous voyez par la vie aérienne. Rubavu, c'est Rubavu. Oui, le dé. Kizen, c'est ça Kizen. Il y a Rubavu, Kizen et Rubavu. Ils sont côte à côte, hein. Ils sont vraiment côte à côte. Et ça, c'est pas Félix qui a créé cette situation-là. Cette situation fait que même nous, à partir de Goma, si on regarde à une position donnée, on va voir très très bien ce qui se passe du côté de Kizen. Hein? Ça, c'est une situation qu'on doit gérer ça d'une manière plus intelligente. Je crois que c'est... si on avait plus de moyens, puisqu'ils parlent des autres, et les autres sont des satellites. Pas de moyens satellitaires, là, c'est plus figé, là, il n'y a pas de doute possible, on voit le problème d'en haut, on peut localiser cette situation. Mais voilà. Mais là, quelqu'un peut se transporter, il y a des missiles qui sont portables, comme on en voit là-bas à l'Ukraine, dans le genre que peut-être les Français ont donné à l'armée rwandaise. Nous le savions, le militaire français qui était, c'est très mal, ils ont amené un type d'armement qui ça bouge peut-être avec les hommes. Ce n'est même pas comme type de, où c'était avant, ça doit être une arme peut-être très lourde, comme ils ont descendu l'ancien président rwandais à l'époque burundais. Mais là, c'est des choses qui sont très améliorées, ce sont des personnes qui portent ça. Alors, maintenant, des choses comme ça, il faut analyser. C'est vrai qu'on ne regarde pas, il faut doubler les moyens, trouver une solution, bien sûr que c'est coûté, on doit faire monter des drones, même si on les fait monter, ce n'est pas gratuit, hein, ça ne se fait pas gratuitement. Hein, ça doit se faire 24 heures sur 24, hein, pour surveiller les choses qui se passent de l'autre côté. Mais dire que non, ils ne font rien, ils sont responsables, ça c'est encore de paroles de personnes irresponsables, hein, qui émettent des choses moins intelligentes. Hein, ils arrivent facilement à condamner avant d'analyser la situation dans son entièreté et pouvoir donner des pistes de solution. Nous devons être matures à l'époque, à la période où nous sommes arrivés. Les Rwandais, ils ont des objectifs.
comment faire dérailler nos élections qui sont en train d'arriver, à défaut de pouvoir prendre tout un pan où ils pourront contrôler nos minéraux qu'ils ont hypothéqué ça ailleurs. Ils sont allés pour se faire vendre, pour se faire accepter ailleurs. Ils ont dit que par notre canal, nous allons déstabiliser ce point, vous allez acheter ces minéraux à vil prix, facilement. C'est un manque à gagner extraordinaire pour le pays. Mais le Congo est en train de tout faire pour essayer de remettre. Ça, c'est une situation qui a été trouvée, où tout le monde qui sont passés avant sont dedans. Donc, en passant par Kabila père, au départ, on lui a fait signer des contrats bidons, et qui, après, quand il est arrivé, il a eu le pouvoir. Il a réalisé après un coup comment c'était difficile de rendre ça. Alors c'est comme ça qu'il a eu des problèmes avec ceux qui l'ont placé là-bas, puisque en soi, Kabila n'avait pas une armée. Non, c'était des Rwandais là, des Ougandais qui étaient avec lui. Maintenant, ils cherchaient leur part, mais une grande part qu'ils ont trouvée dans l'affaire. Et puis après, comme il était devenu gênant, ils l'ont éliminé et ils l'ont placé un Rwandais en lieu et place. De ces cabinets qui étaient congolais. Parce que le côté congolais étant revenu dans la personne de Laurent Kabila, bon, alors, et ils ont désiré, ils ont dit non, ça c'est très dangereux, avec ça il va bloquer notre plan. Alors, ils ont placé le Kanambe, que malheureusement nos amis, une portion, je ne vais pas attaquer tous les Katangais, c'est un otage Katangais, on fait porter à la place du Congo et du monde. On dit que non, c'est un Katangais. Mais nous savions tous que Kabila n'était pas Katangais. Beaucoup de gens ont pilogué, même Honoré Nganda, il a eu ses défauts aussi par moment en parlant, mais il a dépeint ce type-là par le renseignement qu'il avait, ceci démontrait très, très, très bien que nous avions affaire à un Rwandais tout fait, Kabila qui était là-bas. Mais il est là au Congo, il était pas mal, pourquoi? Parce qu'ils avaient mis sur place tout un système qui devait les protéger après. Alors, nous luttons pour essayer d'arriver à changer les choses pour pouvoir comment balayer, nettoyer d'une manière propre. Parce qu'on ne pouvait pas le faire d'une manière inintelligente. Mais curieusement, il y a une partie de notre population, souvent des gens manipulés, qui viennent sans réfléchir, au lieu de dire que non, pour l'instant, on arrête d'abord ce que nous avons comme différent, essayons un peu de garder le pays, de sauver le pays, le garder, et le reste des choses pourront se faire par-dessus. Mais hélas, c'est vraiment incroyable ce que nous écoutons parfois à la longueur du journal. Il y a toutes des émissions qui sont faites quand nous nous trouvons peut-être en difficulté ou des choses ne sont même pas à cette dimension où certains Congolais vont très loin en dessous tout ça pour chercher à faire porter l'opprobre à Félix Tshisekedi qui est en train d'éviter pourtant pour nous en sortir. Voilà, j'ai dû intervenir suite à cela. Je préfère arrêter ici. Merci beaucoup, Pasteur M. Sandaka. Les amis, nous sommes à la fin de ce programme. Je vois là, j'ai 12 appels manqués. Sur la route, c'est pas autre là. Je dois m'arrêter ici. Ça fait très longtemps que je suis en train de parler. J'ai fait plus de 2 heures du temps que je suis en direct. Il faut ce qu'on a 4 antennes parce que je ne sais pas vous prendre vous de ce qui est en train d'appeler. Mon déroulé en Angleterre, Maman Libi Sangai. Robin Galobi, numéro souligné dans 72-94. Vous allez appeler demain. Je vous en prie. Robin Galobi, au côté de la télévision pour la première fois. Je suis habitué à m'appeler sur YouTube. La première fois, je suis Robin Galobi. Je suis Robin Galobi. Je t'en prie. Il y a des PMP à Bengi. Je suis Robin Galobi. Je suis Robin Galobi. Je suis Robin Galobi. Je suis Robin Galobi. Je ne saurais pas prendre ma peine. Malheureusement, je dois m'arrêter ici. Bandeko Bolimicien. Je dois m'arrêter ici parce que. J'ai parlé depuis très longtemps, il faut ce qu'on a rendu antenne. Au revoir les amis. Et là, on a aussi là, on a redivisé mission en deux. Partant dans l'île, on a beaucoup de retirer la conférence dans Souka, conférence, appel téléphonique, pour la réaction des uns des autres sur la plateforme. Au revoir les amis et à demain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 1800, émission des Vrais Soukas. Nous sommes à Lomé au Togo.
Rassurez-vous que la République démocratique du Congo ne peut être gérée que par les Congolais nés des pères et des mères. DRC, what are you going by? Have a discussion with President Tshisekedi. Ile diskuri alifanya inaonesha kama yeye kabisa ni mai mai. Nous pensons que maintenant le moment est arrivé que les gens puissent se dépasser. Voilà ma soula ba congolais ma soula ba beta ka kanso ba mina tongo. Président Abisso Fati. On se comprend. Dans l'été 2023, tu es banini et Roléka. Vous comprenez? Mais la minute où on a remis dans son cabinet, était présent en Haï, Fatih Béton. Joseph Kabila et Edi Kapem se sont arrangés pour renvoyer cette unité. Ils ont chassé cette unité de la ville de Kinshasa pour former leur propre garde résidentielle. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального. Mukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à notre chaîne à YouTube, Africa TV Network. Africa TV, c'est Mukema. La chaîne Abissoy à Africa TV Network. C'est bien beau de s'abonner massivement. Abonnez-vous à Courpe, la base de l'app et tes numéros. Blaise Mabozo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record. Et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner na Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandego oyoza Africa TV. Kobo s'abonner. Ma solo est vendu des awa. Attends, ma solo c'est ça kakawa. Donc abonnement yoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, aux alindes de Ronabino Jokamba. Vous abonnez ma casse na chaîne Abino à YouTube. Africa TV Network, chez Moké Image 10 ans d'avance. Dieu Mukamba, Africa TV Network. Vous abonnez massivement. Check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na okepa le grand boss. 10 ans d'avance muke image. Nde na okepa na ye. Tous s'abonner épelé na chaîne sur YouTube ATM Africa TV Network na frère. Bana betu ba muka sai, bana betu ba muko bana betu ba monde entier tala nyamba nokwe tangi la même mwane nu yeye Africa Net World elingelo banin elingelo bana cheluba ke busa abone ela imunu wenu ela mwa baba ku baku mamu mum kunzem ela toka kakanga musa ngumwe yane ba mwaba batu bajiba amba s'abonner massivement ou s'abonner nous quoi ou pas moi je lui balou nous c'est que lui ou s'abonner nous quoi ou en attendant que tu nous a un zambé tu as vous ça elle mounou moi bao elle mounou moi pas mou comme ça elle mounou s'abonner wa Bapa ina munu mbote na benu nyonso kela na betu à travers le monde entier chaîne kera Moshiyai Africa TV Network tout la kaka musapi pa nangi ku s'abonner na kati Africa TV Network ke chaîne ina ke pesa ngi ntangu na ntangu ya mbote ke chaîne ina ke zwa ntangu na chike na tatina zulu Africa TV Network chaîne na betu bampangi na mono benu s'abonner pa na kati ya Africa TV Network betu kamunika na benu merci bana betu bamuka sa